Salut YouTube! Alors, ils m'ont dit, garde la percée, c'est une des meilleures attaques. Donc je pense qu'on enlève le coup vicieux du coup. Percée plus montée d'adrénaline. Mais j'enlève quoi? J'enlève l'étourdissement. J'enlève le soin. Non, le saignement. Je peux enlever le saignement. Et je prends le montée d'adrénaline à la place. Prends tous les persos dans la diligence, au pire, et tu en vireras. C'est vrai. T'as deux saignements, enlève saignement. C'est vrai que j'ai deux saignements, ouais. Celui-là, c'est que sur le premier slot. Il y a souvent des cadavres en premier slot. Et celui-ci, le saignement est moins important, mais on est plus polyvalent. On va enlever celui-là, et je mets la montée d'adrénaline à la place. C'est vrai que, comment on fait? J'ai jamais vu comment on virait les gens, mais ok. Bon, on est parti, allez! Au combat! Donc on prend pâtissier. Pâtissier slot 1. Toi tu peux être à la slot 2 et topi 4. Merde, c'est quelle attaque qui peut pas être lancée? Celle-là. On a le gaz aveuglant. On débloque le gaz aveuglant pour topi 4. Ou je mets les vapeurs plutôt pour booster. Explosion déroutante, ça met quoi? Ça supprime tous les cadavres. Ah non, l'explosion déroutante peut être bien aussi. Ah, j'ai pas quoi faire. J'ai pas quoi faire. Après, j'ai pas de soin, donc je dois forcément garder le soin. Je pense que j'enlève le saignement. Dans tous les cas, je vais l'enlever. Et je prends gaz aveuglant pour mettre étourdissement sur les deux derniers slots. On va juste faire ça. Ah, ok. Combien de temps c'est écrit? 0 minutes. Ouais, donc il est là. Bon, petite pause les gens, il faut que j'aille chercher la bouffe. Oh YouTube, il y a eu une bonne vingtaine de minutes depuis la petite coupure là. J'ai mangé, du coup la caméra elle disparaît pour que je puisse fumer ma clope. Du coup on continue sur ce Darkest Dungeon. On a fait notre équipe, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais changer elle et l'améliorer. Non, on peut pas l'améliorer. Je voulais changer qui? Oh, je sais plus. Ah oui, je voulais... Voilà, c'est ça. Je voulais, pour Topi 4, enlever l'incision et mettre à la place... supprimer les cadavres. Ça peut être pas mal parce que notre Fury... En fait, on n'a pas d'attaque sur le dernier rang, je crois. Très peu d'attaque. C'est-à-dire que je mange McDo tous les jours, donc je profite des day off pour manger sain et plus léger. D'accord, ok, ouais. Ah, nous, on n'est pas McDo tous les jours. Nous, c'est plus les autres restos. Bref, on prend ça. Du coup, Topi 4, on t'enlève. On fait nos propres burgers aussi. On te met explosion déroutante à la place pour supprimer les cadavres. Et on va pouvoir y aller, enfin! Enfin! Et bonjour à ceux qui arrivent. Depuis le début du stream. Alors la course, donc ça c'est ça fait partie du DLC. Activer 3 ruches envahissantes. En cadeau on a un kit de dissection uniquement pour médecin de peste. Ça vient de Crimson Quartz. Chance de saignement plus 35%, dégâts plus 25%, chance d'infection plus 15% et chance d'étourdissement. Oh putain, c'est vachement bien ça. Invasion du baron, une invitation à une soirée de jeux de divertissement signé le baron. D'accord, bah écoutez, on va essayer de faire ça. Il me faut juste au niveau des slots, donc Topi 4, c'est ça, Topi 4 en dernier. Toi tu peux être en 3, toi tu peux être en 2, et on a Emeraldine qui vient en 1. Là ça me semble pas trop mal, on va essayer comme ça. Hein. Moi aussi j'ai trop mangé. Hop. Cette quête est dangereuse, et plus longue que d'habitude. Des héros niveau 1 ou 2 sont recommandés. Ah non alors. On va attendre d'avoir tous nos héros niveau 2 au moins. Objectif complété 100% et nous avons un résistance au saignement plus 30%. C'est pas ouf. Mais on a des tableaux. Des tableaux, moi je suis preneur. Allez, on va aller faire celui-ci. Ah, c'est une quête moyenne, bah très bien. Mais non, je vais prendre une courte. On fera une moyenne. La suivante, ce sera une moyenne. Mais avec notre équipe principale. Allons-y.
Alors, 8 de bouffe. C'est une courte, hein. Ah, c'est une courte. 8 de bouffe. 8 torches. 2 pelles de clé. Et c'est parti. Et on avance, sorti. Ouais, bon, le jeu m'a averti, effectivement. Après, je vous avoue, j'ai pas vu toute la mission, mais j'ai regardé la vidéo de MV où il a chié des bulles avec, donc je m'attendais aussi à ce que ça en chie. Salut Konjo ! Comment ça va ? Comment ça va ? Allez, on est parti ! J'en ai juste que j'ai mon écran. Et du coup, compléter toutes les batailles des chambres, bah c'est parfait, c'est une ligne droite, le donjon, donc en avant. En avant. Et une attaque. Alors, des ennemis qu'on n'avait pas encore vus. Les larves, très peu de PV, pas trop de dégâts, elles font, par contre, si je dis pas de conneries, elles font l'augmentation du stress. Et elles, c'est du poison, et il me semble l'augmentation du stress aussi, la cracheuse. On va essayer de tout gérer, mais comme elles ont que 6 PV... On peut se faire un petit dégât de zone comme ça. Je me réveille donc tout va bien. Oh ça va. Ça va, c'est l'heure de se réveiller. Résistance au poison, à l'infection 40%. Groupe d'ennemis supprime les cadavres, ça c'est le nouveau donc. Donc ça met modification de dégâts. Ah ça fait 0 dégâts, donc ça déplace des ennemis, ça met étourdissement. Ok. Ça, ça met combien de dégâts? 2 à 2. Donc on met 2 dégâts sur lui, il résiste au poison, on s'en fout. De toute façon, il meurt, il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre sur les larves. Nocturne sur FF12. D'accord, je connais pas les FF moi. Percée, alors combien on met de dégâts avec la percée? Ouais, normalement on défonce tout le monde. Attendez, quoi? Hashtag, j'ai pas lu. Attendez, pourquoi ça n'a pas attaqué les deux? Et c'est lié, c'est censé faire sur les trois, non? Pourquoi ça a pas attaqué les trois? Ah, c'est la percée. Je connais pas la percée. Mais non, il a pas dodge. Ça a pas écrit dodge. Si? Ah, l'araignée a esquivé. D'accord, j'ai pas vu alors. Ok, c'est ma faute alors. Excusez-moi. J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on la défonce. J'ai pas vu le dodge. Bon, un petit peu d'or. Mon or. C'était... Non, là-dedans, on n'avait pas trouvé un. Hein. Ah, elle est verrouillée. Oui, d'accord, c'est une clé. Des trésors. Mon or. Alors, nous avons... Oh, yes, surprise. Surprise, motherfucker. Donc, on a les deux archers derrière qui sont les plus chiants. De toute façon, nous avons... Enfin, les plus chiants, pas plus que ça, en fait. Ils font que du dégât. On a eu les deux infections. Ouais, c'est que du dégât sur ce tour, donc très bien. Si je fais ça, ça met combien? Ça met 3 à 5, 2 à 4. Après, on a lui qui va pouvoir faire également du dégât de zone. Donc, on peut faire ça. En fait, on a 3 attaques de dégâts de zone, je crois. Là, ça met 3 à 5, 2 à 4, 3 à 5. Ouais, ça les finit pas. On va plutôt préférer les finir. Bon, alors ça met saignement. Alors, ouais, non, en fait, non. Ça va être clairement mieux. En fait, j'ai des attaques de saignement, mais ça sert à rien contre les squelettes, le saignement. Après, j'ai ça, accusation zélée. Comme dit MV, j'accuse. Allez, dis-moi. Ouais, en fait, on a. Les trois là ont des dégâts de zone. Donc, c'est pas dégueu sur des ennemis assez faibles. Bon, alors lui, il est mort du poison. Lui meurt du poison, donc c'est sur lui qu'il faut focus. Bah, on va mettre de toute façon un deuxième. Ah, quoique je pourrais heal. Ah, mais non, j'ai de l'heal. Et je pense que le heal est assez important vu qu'on n'a pas de healer principal. On va heal ça. Parce que lui, il est de toute façon mort du poison. Et lui, il lui manque 6 dégâts lui. Bah, voilà, c'est bon, ils sont morts. Donc, on va le heal lui. 34 sur 37, 20 sur 22, ouais. On va aller lui. Le jeu a bien été patient à faire. Il y a les sous-titres français, mais je crois pas sur le DLC. J'ai vu sur Mister MV qu'il y a pas... Le DLC, non. Le DLC, je crois qu'il est pas traduit. J'ai pas encore eu les sous-titres du DLC. Tu accuses, fac, tu leur passes des impôts. C'est ça.
C'est exactement ça. Du coup, on a eu un tableau, c'est très bien. Et du pognon, très bien. Parfait repérage. On a vu un piège. Alors, on va tester ce qu'on m'a dit, hein. Que le désarmement des pièges. C'est tout le monde. Alors, attendez, on va mettre elle parce que c'est elle qui a le plus de stress. Confessionnal abandonné n'a pas servi depuis des années. Ah, les pièges sont insupportables. Et donc là, on va tester si elle arrive à désarmer. Parce que on m'a dit cette capacité, c'est chance de désarmer 60%. 70. Ah, mais il y a un bonus parce que. Ok, d'accord. Il y a un bonus parce qu'il est spotted. Ok. Très bien. Donc voilà, un petit peu de. Très bien. Tu connais le jeu Fortnite? Tu penses y jouer? J'ai très rapidement vu la VOD de Sifano en diagonale. C'est pas du tout mon style de jeu de ce que j'en ai vu, Spartatouille. On va retorcher. Mais d'accord, je savais pas qu'en fait il y avait un bonus de désarmement quand le piège était scouté. On ouvre. Mon or! Hop. Bonjour, je peux faire de la pub. Non! C'est gentil de demander au moins. Pas comme beaucoup d'autres. Alors, donc c'est lui le plus relou. On va commencer par lui, hein. Parfait, on lui mettra le poison aussi. Pas de résistance. Pas de résistance, donc le plus relou, le courtisan, il est mort. Et si on va faire un dégât de zone, 2-5, 3-6, 2-5, 3-6, oui. Un petit crit. Petit critique. Aha. En plus, on baisse le stress, excellent. D'huile, accusation zélée. Donc lui, comme il est mort, ça peut être pas mal, 5-10. Lui, si on lui met 6 ou plus, il est mort. On met 9, parfait. Donc il n'y a plus que lui qui est pas mort. Il n'y a que lui qui attaque. Et 3 points de dégâts, mais pu. Est-ce qu'on peut avoir un healer en premier? Oui, un petit peu de soin ici. Merci. Toi, t'as pas de soin, c'est dommage. Tant pis. De l'or, de la thune, et alors ça c'est... Pour le moment je n'ai eu que du bénéfice dans ces trucs là. Mais je pense qu'il peut y avoir des négatifs, je sais pas ce qu'il faut que je mette, on va l'ouvrir sans. Ah fuck! La mortalité, c'est quoi la mortalité? Phobie des tanières. Ouais c'est ça, phobie des tanières, plus 20% dans les tanières. On n'est pas dans une tanière actuellement, c'est pas dramatique. Oula. Alors, nous avons un loot. Et il est voleur. Super! Bravo! Y a pas une commande pour voir combien de temps on est resté sur les lives? Je crois pas, Spartatouille, non. Attendez, le piège, qui a plus de stress, toi? Désarmé. Le bandit. Des legs! Un tableau, génial. Pas de combat, ok. Encore un scout. Pièce avec combat et trésor. Alors, la bibliothèque. Pour le moment, on a eu des mauvaises expériences avec. Putain! Kleptomanie. Mais non! Tendance à voler les objets. Putain, c'est chiant la kleptomanie. Plus de stress, toi. Non, on va baisser. Ça rate! Super! Putain, 15 de stress en plus gratuit comme ça dans les dents. Génial. Oh, c'est quoi? Je l'avais eu ça, j'avais avec Toulouse, je crois. Il est dit, le sacrifice du feu appelle la ruine. Offrez une torche si le néant vous attire. Alors là, les gens, on est d'accord que ça va être un combat. Et ça va être un combat méga dur, non? Tout ce qui touche à des livres, c'est mauvais. Tout? T'es sûr? Le fais pas ça! Fais-le! Mais non, la plaque doctor a très peu de chances de désarmer les pièges, faut pas. Oui, non, mais il y avait le bonus de plus 60, Topicat. Do it, just do it!
DLC rajoute quoi? Il rajoute des nouveaux traits, des nouveaux héros, le sang et je sais pas trop quoi. Le livre c'est le mal, les livres c'est le mal et ça aussi! J'hésite! J'hésite! Est-ce qu'on donne une torche? Est-ce qu'on le fait? On fait Cthulhu ou pas? La dernière fois, j'ai perdu 3 héros sur les 4. Hein. Et ils étaient plus que niveau 1. Non, on le fait pas, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau, très clairement pas. Ils sont niveau 0 et 1, donc on n'a pas le niveau. Sorry, bros. Il me reste que 4 de bouffe, non. Non, je le fais pas. Ouais, je vais me faire rec. Mais non, fume! Merci pour le resub! 17 mois, merci beaucoup l'ami. Hey! Un mois de bonheur en plus. Stop, don't stop happiness. Merci beaucoup, ma mamofu, ça fait plaisir. Oh, bienvenue à toi. Pas assez... Ah, mais oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai pas de healer. Donc, non, c'est mort. C'est mort. Bon, combat par contre. Un vrai combat. Ok. Alors, les deux là, ils sont méga relous. Mais on les a surpris. C'est une excellente nouvelle. Un petit poison pour commencer. Parfait, tout le monde est affecté. Toi, t'as plus de PV que lui, oui. Donc on va commencer par toi, parce que toi, en plus, t'as du stress de zone. Oh non, mais à un près, fuck. Du coup, toi, on va faire ça. Fuck you. Putain, tout le monde esquive, et du coup, je me prends quand même le malus. C'est formidable. Formidable. Accusation zélée. Ouais, mais je peux même pas niquer le dernier, c'est relou. Bon, on fait l'accusation zélée. Non, on va faire un dégât propre. Propre sur lui. Un petit crit. Merci, au moins. Maintenant que t'as décidé de passer, je peux te dire que t'as 100% de chance de faire pop le boss avec une torche sur l'autel. T'as bien fait du coup. Mais il me semble hein, que justement, c'est, vu que c'est ce qui est dit. Bon, lui il est forcément mort, ok. On a esquivé, excellent. C'est ce qui est dit, c'est si tu donnes une torche, t'as 100% de chance. Et c'est un Cthulhu. La dernière fois, je me suis vraiment fait ouvrir. On va mettre un toxique sur lui. Lui il fera son tir de zone. Ah bah non, pas besoin. Vu qu'il attaque avant. Gobelet de la tentation, on monte le stress un peu. Continue the onslaught. Destroy them all. On dépop ça. Résiste au saignement, c'est normal. On a quand même le malus de résistance au saignement, mais ça change rien. La vitesse, toi tu prends 4, tu as 6. Bah, j'ai qu'à faire ça et c'est gagné. Ah mais non, je suis con, ça c'est ok, bon, ils ont étourdi. Je suis con, ça fait pas de dégâts. C'est pas grave. On va pouvoir heal un coup. Lui, c'est sur... Ah, c'est sur 3 tours, donc forcément, ils vont plus attaquer, donc on va vraiment faire mass heal, du coup. Mass heal sur toi. Toi, t'as pas de heal, donc tu vas relancer cette attaque. Allez, n'attaque pas maintenant, merci. Ah putain, mais lui il a... Fuck, on fait ça. Juste, alors, ça prend un tour, le fait de déplacer. Je vais les replacer après. Ah mais oui, mais... Ah non, mais je suis con, putain, j'ai déplacé dans le mauvais sens. Tant pis. Bon, du coup, j'ai la dot sur 3 tours quand même. Hein. On prend tout. J'ai terminé. On va ouvrir le coffre. On met une clé pour le sceau de la famille. Glittering gold, trinkets and baubles. La torche c'est bon. Et il nous reste une pièce, on a un repérage. Est-ce qu'on a un combat dans les 3 prochaines pièces? Non. Parce que ça en gros ici, on a encore les debuffs sur 3 tours. En gros c'est sur 3 pièces. Donc là elle va perdre un tour, là 2 tours, là 3 tours. Donc c'est bon, elle va plus avoir le debuff quand on arrivera. Donc les livres vous dites c'est forcément la merde. Donc je peux le mettre sur lui du coup. Ouais déjà on va faire ça. Hop, merci, tout ça vous place. Et toi? Mais non c'est pas forcément la merde. Une vieille page de journal. Donc ça c'est pour le lore, hein, c'est ça. Il me semble. Ça... On va prendre lui, avec un peu de chance ce sera bien. Petit hôtel sain et surprenant. Est-ce qu'on mettrait pas une eau bénite? Oui, eau bénite, parfait. Magnifique, du coup on a le bonus. Ça fait, ça, malheureusement ça ne diminue pas le stress. Et le combat, ok, en plus c'est un minuscule combat. On met en 4, 3, 6, 3, 6... 3-5 pour... ouais. Hop. Ensuite, toi, tu vas heal pour le moment. Oui, mais passer le tour, ça monte le stress. C'est pour ça que je passe pas le tour.
chier, ils attaquent. Non, c'est bon. Là, et normalement, voilà, combat terminé. Ouais, Mili Milou, ça monte le stress en fait, c'est pour ça que je les déplace. C'est une torche, ouais. On va voir si. Non, il n'y a pas de combat, je crois. Non, il n'y a pas de combat. Bon, bah, terminé. Terminé, ça s'est bien passé. On est un peu stressé, mais sinon, ça va. Pas mal de legs. Plus de tableaux offerts. Résistance au saignement, on va pouvoir le donner à quelqu'un, très bien. Nouveau niveau de détermination acquis. Donc là, ils ont pris un level. Il est passé niveau 2. Et nous avons tête dure. Résistance à l'étourdissement plus 15. C'est bien ça. Très très bien, Topi 4. Le village est en effervescence. Une entrée de pierre s'effritant d'un jardin labyrinthe oublié a été découverte. Malheureusement, celui qui l'a découverte est mort d'innombrables piqûres d'insectes. L'inquiétude augmente. Au village, les activités de réduction de stress sont légèrement moins efficaces. Ça, c'est parce qu'on n'a pas fait, je crois, le truc de quête. Le truc du DLC. Bon, il va falloir qu'on déstresse lui. Topi 4, donc pâtissier Topi 4. Et on va prendre Zabdo aussi au déstressage encore. Légèrement moins efficace. Et on a débloqué. Alors, on a débloqué encore deux nouveautés. Je peux vous remettre la caméra aussi. Bonjour. Deux nouveautés. Donc, le sanatorium qui va nous permettre de traiter les maladies. Donc, par exemple, Zabdo qui a le Tenya. Ou ça va nous permettre également de traiter, si je prends quelqu'un, soit virer les attributs négatifs, soit verrouiller les attributs positifs. Pourquoi les verrouiller? Parce que si on peut en avoir 4 max, si on en a un 5e, en fait, ça va en remplacer un aléatoirement. Mais on peut le verrouiller pour le garder à vie. Bien sûr que j'ai la tête dure, hein. Je suis bretonne. par contre, c'était plus 10 de dégâts. Ça, je veux le verrouiller. Mais je voulais aussi baisser son stress à lui. Donc, en fait, je pense qu'on va faire deux tours où lui, il va pas combattre. Comme ça, on verrouille ça. On va soigner le Tenya de Xabdo. C'est un peu chiant. Ça coûte de la bouffe. Ouais. En soi, c'est rare qu'on soit à court de bouffe. Je vais plus... Ouais, non, mais de toute façon, on veut le faire. On veut rester deux tours. Voilà. Donc, Zabdo, hop, on te soigne. Donc, c'est légèrement moins efficace de soigner le stress. Donc, on va mettre Topi 4 ici. Topi 4 qui aime bien le fouet. Emeraldine, elle est à 10, donc il n'y a pas trop besoin de la soigner. Ouais, quoi que si. Ouais, non. Il me reste un tank. Il me reste un... Si, Foxlow, il est en tête, oui. Je peux mettre Emeraldine quand même. On y va comme ça. Et on a débloqué également la vendeuse nomade. Donc la vendeuse nomade qui nous permet de... Ah mais j'ai plus d'or! J'avais pas vu, j'ai plus d'or. Oh, c'est la première fois que je descends aussi bas en or. Donc là, chaque semaine, elle nous vend des nouveaux trucs. Mais j'ai plus d'or, c'est la merde. Et on a débloqué le spécialiste de la survie. Donc la survie, on verra plus tard. Mais oui, j'ai plus d'or. Bah c'est pas grave, on va faire une opération suicide alors. On a débloqué, oh très bien. Un lépreux. Lépreux c'est très très bien. C'est un truc de tête. Et l'occultiste, je crois pas avoir joué avec. Très très peu. Mais on va le recruter aussi. Non, je suis plein. Je vais virer. Est-ce que c'est bien un occultiste ou pas? Au pire, je vais augmenter. Non, je peux même pas augmenter la taille. Parce que j'ai pas assez de contrats. L'occultiste très fort en heal. En heal. Donc, ça, c'est du dégât. À distance. Plus 15% versus horreur. Donc, ça, c'est du dégât. De dégâts de zone, ok. Malus de cible. Donc, ça, c'est du dégât. Ah oui, d'accord. Donc, ça met saignement sur. Oui, j'avais déjà joué, c'est ça. Ça peut heal entre 0 et 13. Mais ça met un saignement de 1 point par tour. Sur 3 tours. Mais on a... Ah, c'est vrai que je peux changer mes legs. Alors, comment ça marche? Donc, je peux changer... Ça. D'accord. Donc, je peux changer un tableau. Je peux pas les changer en... Ah non, c'est des actes de propriété qu'il me faut. C'est ça? Ouais, c'est des actes de propriété. Donc je peux changer ça. En acte de propriété, il m'en faut un. Comme ça. Ok.
Donc là je fais ça et comme ça je peux prendre l'occultiste en plus. Voilà. Mais... sac à merde. J'ai up le mauvais. Couillon. Mais attendez. Donc on va faire comme ça, je vais quand même virer 3 comme ça. Ah c'est pas grave, j'aurai plus de héros qui vont arriver. Voilà. C'est pas grave. Du coup, comme j'ai pas d'or, on va pas prendre de ressources. Et on va quitter le donjon très très vite. Enfin, on va prendre le plus de ressources possible quand même. Donc, mon équipe, il me faudra... Donc il me faut un healer. Position, donc c'est celle-là. Donc ça c'est une attaque. Mais on va surtout l'utiliser comme healer. Il fait quoi sinon? Dégâts, il fait pas beaucoup. Il baisse beaucoup l'esquive. Et ça, ça fait traction. Donc ça va tirer les ennemis sur 2 cases. Et ça supprime les cadavres. Donc il y a juste celui-ci. Ah mais si, après je peux jouer en 3. Si je joue lui en 3. D'ailleurs, il faut que je le nomme. Feu. Feu, qui sera notre occultiste? Merde. S'il vous plaît. Merci. Qui sera notre occultiste? Donc on avait eu Emeraldine. Ah c'est Lil Wayne, attends, je dois avoir un personnage féminin pour Lil Wayne. Achel. Achel. Bienvenue, je te mets un A majuscule pour le... Achel, bienvenue. Est-ce que j'ai un personnage féminin à renommer? Je crois que ça, je crois que ce sont des demoiselles. Bah ce sera... ce sera Lil Wayne. Lil Wayne. Bienvenue. En vert. Je suis pas de... Ah, tu vas dormir? Ouais, je n'avais pas dit, il est là. Alors, du coup, Lil Wayne. Lil Wayne en slot 2 qui fait... Alors, elle fait du dégât sur les marqués et sur les humains. Traction, ok. Grenade aveuglante, ça stun. Ça met pas de dégâts. Et ça en déplace 1. Ça déplace de 1. Et coup de grâce, modification de dégâts. Plus 20% face aux étourdis. Oh, très bien ça. Bah, Lil Wayne slot 2. Oui, il y a Celie, voilà. Non, c'est Celie qu'il faut qu'on nomme. Ce sera... Non, voilà, Lil Wayne, tu seras Celie. T'as plus une corpulence... pas une corpulence de femme, mais... pas toi. Le personnage a plus une tête et une posture de femme, j'ai l'impression. Non. Est-ce que c'est une femme? J'en sais rien. Emeraldine, on a... Non, on va mettre Zangadar. Écoutez, ce sera Zangadar. Si vous me dites que c'est bien une femme, Zangadar. Je suis pas sûr. Zangadar, toi t'es en première pause, oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as de beau? Trancher et taillade, ça on connaît. Purge, pousser 3. Groupe d'ennemis, supprime les cadavres. Et intimidation, retire l'étourdissement. Malus de la... Non, oui, malus de la cime, moins de dégâts, moins de protection. Et pas beaucoup de... ça fait pas beaucoup de DPS. Ok. Donc Zangadar, first pause. Et... Alors, framboise, c'est pas dégueu. Elle peut utiliser ça. Ok, elle a 3 attaques. Donc elle a les decks de jet. Qui, moins pour 33% de dégâts, mais c'est un dégât de zone. Ça, elle a disparition. Étourdissement. Ça met étourdissement. Ça fait esquive sur nous. Très bien, ça met pas de dégâts. Fléchette empoisonnée. Infection. Très bien, 3 dégâts pour 3 tours. Et toxine astucieuse. Soigne saignement et infection. Esquive vitesse. Ok, bah écoute, tu seras en slot 4. Petite framboise en slot 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? Alors nous, il nous faut de l'argent. Il nous faut de la thune. Là, c'est que des moyennes. Ça, c'en est une courte. On doit pouvoir la faire sans bouffe, celle-là. On va la faire sans torche, mais avec de la bouffe, je pense. Retirer l'étourdissement du lépreux, c'est une erreur de traduction. Mais c'est-à-dire, du coup, c'est quoi l'inverse? Ça paraît illogique, le retirer étourdissement. Parce qu'ils peuvent pas attaquer quand ils sont eux-mêmes étourdis. Ce serait quoi du coup, Duncan? Duncan et MacLeod, l'immortel, il ne peut en rester qu'un. Ouais. Le sort 2 à la framboise ne marchera pas. Je sais, c'est pas grave. J'ai pas les pognons de toute façon pour le changer. Là, on a que 3000 d'or. 3000 d'or aussi, avec 2 têtes et un brassard détérioré. Attendez, alors là, ça fait vitesse plus 2. Et là, ça fait esquive plus 10 lorsque les PV sont à plus de 60. Esquive moins 6 quand les PV sont à moins de 50%. Ça, c'est pas fou. Ça me paraît plutôt intéressant. Et voyons voir ce qu'on peut équiper. Résistance au saignement. On va te donner ça. Hein. Est-ce qu'on a. Donc, ça, ce sont des objets de classe qu'on ne peut pas équiper. Ok.
Quel spell c'était le spell de... Voilà. Retire étourdissement. Mais c'est un sort sur soi-même. C'est un effet sur soi-même. Mais quand on est étourdi, on peut pas attaquer. Romilix qui réclame la redistribution des richesses. Bravo Romilix et merci. Du coup, je vais le faire. Je sais pas s'il y a un modo, je m'en occupe. Give points. Non, add points. Add points. All 100. Bravo Romilix. Vous gagnez tous 100 points sur le chat. Et ouais, du coup, je sais pas ce que ça peut être en fait. Je sais pas ce que ça peut être. En fait, ça marque ton perso. Du coup, il sera ciblé par les mobs. Ah, retire l'étourdissement, c'est le marquage. Ah, donc ça, c'est déjà intéressant. C'est vachement... Ah, ça retire la marque. Ou ça met le marquage. Ça retire ou ça met le marquage. Bon, dans tous les cas, allons-y comme ça. C'est parti. Donc, on y va sans torche. Et on prend juste de la bouffe. C'en est une petite, c'est la crique en courte. Et c'est quoi notre quête? C'est quoi le but de la quête? But de la quête, c'est compléter 100% de bataille de la chambre, ok. Peut-être que quête de bouffe. Ça met la marque, d'accord. Donc c'est intéressant. On prend quête de bouffe. Je peux pas prendre de pelle, malheureusement, pas prendre de clé. Mais au moins on se fera un peu de pognon comme ça. Je prends pas de torche. Vous ne disposez que peu de nourriture. Après je peux en prendre un petit peu plus. Non, ça sert à rien, je peux pas en prendre 4 de plus. Prenons-en 4, allez. Et au pire on backera, ça nous fera quand même de la thune. Et ce qu'on va faire, c'est que dès le début... Donc voilà, actuellement la torche est à 100%, on a plus d'esquive, plus de repérage, plus de monstres surpris, si j'enlève la torche. Donc si je la baisse... La torche... Si je l'éteins complètement, on a beaucoup plus de stress sur nos mecs, beaucoup plus de précision et de dégâts des monstres, beaucoup plus de héros surpris, mais beaucoup plus de butin. Et nous, c'est du butin qu'il nous faut parce qu'il nous faut de l'or. Et il faut qu'on fasse tous les combats. Donc c'est parti, on va aller par là-bas. Donc évidemment le stress va beaucoup plus augmenter. On va espérer de pas être on n'est pas surpris, c'est bon. Et on a deux nouveaux monstres. Alors pourquoi est-ce qu'on a des nouveaux monstres ici? Parce qu'on n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Ici on est dans la crypte, je crois. Non, je sais plus où on est. Donc c'est des monstres qu'on connaît pas. C'est un autre lore. Les escargots, ils ont très peu de PV, mais ils ont une fucking résistance de ouf. 75 de protection. Et l'aurore, je sais plus ce qu'elle fait, je crois qu'elle est bien relou. Et les infections, résistance aux infections. Résistance à l'infection 20%, c'est que sur une cible, oui. On va focus sur lui. Alors, nous avons quoi? Poignard sacrificiel corps à corps. Dégâts plus 15 contre horreur. Donc ça c'est une horreur. Ok, c'est tous des horreurs, très bien. Ça c'est le soin. Sort de vulnérabilité, précision, de base 95, retire étourdissement, donc ça marque. Ça marque la cible donc. Et c'est... Attendez, c'était lui qui avait un dégât qui faisait plus sur les cibles marquées? Non. C'était lui. Plus 25% face... Ah non, face à étourdi. 90 sur marqué. Donc on va tester. Donc ça retire l'étourdissement si je le marque. Lui. On va voir si ça le marque effectivement. Ça le marque, d'accord. Donc merci beaucoup pour l'info, c'est très très bon à savoir. Donc c'est pas lui. C'est pas lui. Pousser de 3, supprimer les cadavres. Intimidation, retire l'étourdissement. Est-ce que retire l'étourdissement, c'est... Non, c'est sur soi-même. Donc ça marque aussi donc. Donc à la limite, je vais marquer le deuxième escargot. On met 0 de dégâts et on le marque pas. C'est bizarre. Alors, poignée gloubloutoute. Oula, glougloutante. Et donc toi, là-dessus, tu mets 2 à 5. Ouais, le problème, c'est que même avec la marque, 5 à 10, il a le poison. On va le faire lui comme son lupine. C'est toi. Ah, je me suis marqué moi-même, d'accord. Mais oui, c'était sur moi-même, j'ai mal vu. C'est pas grave, bon là, ça esquive. Alors la marque, je l'ai pas expliqué. Un petit critique qui fait chier. La marque, en gros, c'est ça attire l'ennemi et devient susceptible de certaines attaques. Donc en fait, on prend plus l'aggro. On prend plus l'aggro. On va mettre une infection sur lui. Chance d'infection 20%. Va te faire un truc. Putain.
Pour le moment, je vais heal, je pense. Voilà. Donc 4 de heal, mais saignement sur 3 tours. Donc au final, ça va nous. Au final, ça nous aura soigné que de 1 point. 2 à 5. Alors attendez, on a quoi d'intéressant sinon? Étourdissement. Déplace un seul. Là, ça met pas de dégâts. Et ça, ça met 25 plus. 25 sur les étourdis. On va taper lui. On met 4. Très bien. Très bien. Monstre avec une forte protection. Le sanatorium est la plupart du temps utilisé pour supprimer les attributs négatifs et soigner les maladies. Vous pouvez aussi l'utiliser pour renforcer les attributs positifs, ce qui le verrouillera et empêchera d'autres attributs positifs de l'emplacer. Vous pouvez heurier jusqu'au maximum. C'est pas la bonne, c'est pas le bon titre pour le bon truc. Bon, lui il est mort du poison. Tayad, 1 à 2, donc lui on le tue forcément. 2 à 4. Le psy critique pour le très bien. Ah, mais c'est sérieux ça? Putain, mon stress. Du coup on va l'empoisonner. Masterfully executed. Est-ce qu'on on va pas soigner? On va attaquer. On va pas soigner parce que ça mettra le saignement. Et il manque 6. Ouais, j'aurais pu soigner lui, tant pis. On a looté une torche, super, mais on joue sans la torche. On la vendra. Alors, ah non, mais non, on n'est pas arrivé au bout. Saignement, voilà. Saignement est terminé. Un coffre. Toi. Il reste du butin. De l'or. Encore un max PV plus 10, vitesse moins. Et stop les saignements, donc les bondages. On va refourguer à toi, on va te refourguer ça pour 10% de PV en plus. Ça, on va l'ouvrir, j'ai rien à mettre dessus. Apaise l'esprit. Oh, très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est cool d'informer, ils avaient des problèmes de neutralité du net, mais ils avaient vraiment besoin de supprimer mes émotes pour ça. Comment ça, Aléatoria? Il y a eu quoi? C'est moi, les émotes sont désactivées et remplacées par des enchargements. Les émotes de quoi? Quelles émotes? Bref, allons-y. Scout, pas de scout. On va aller en bas. Le héros se coupe méchamment. Bah bravo! En plus, ça coûte cher, regardez. Tac. On va soigner le saignement. Tu vas pas te couper, toi. Rien de spécial, bon. Non, mais ça doit être un bug, moi je les vois, des emotes. Alors, voilà. Alors, notre groupe est surpris. Vague de stress, casse-couille. Notre groupe est surpris. Ça signifie en gros en fait que les positions ont été mélangées. Position des... Ah! Et on a le premier méga casse-couille. Lui. C'est un des monstres les plus casse-couilles. Les emotes de base sur le chat marchent pas. Ah bon? Bah moi je les vois. C'est bizarre. Monstre le plus casse-couille de tous. Parce que il a une attaque de zone qui baisse le stress. Et en plus il peut mettre ça. La terreur. En gros, je crois que c'est ça la terreur. Comme ça que ça s'appelle. En gros, là on va, c'est une dot sur le stress. Donc on va prendre un total de 12 de stress. Et c'est super méga casse-couille. Donc c'est ces deux là. Et lui aussi il a, voilà, vague de stress. Il baisse le stress, donc on va vraiment essayer de focus sur les deux derniers ici. Le problème c'est qu'on a pas de lépreux. De pestiféré. Docteur de la peste. Donc ça pue un peu. Par contre on peut mettre le poison, résistance poison 10. Donc on va mettre du poison sur lui. Un petit critique en plus. Allez, baisse le, magnifique. Infection c'est de combien? 3 sur 5 tours. On peut soigner lui. 10, bien. Y'a pas de remarqué. Euh, 5 à 10. Et 2 à 4. On va attaquer comme ça, on va pas le déplacer. Ah putain. Évidemment ça rate. On a pris méga cher, va falloir le soigner.
Allez, tu peux le one-tap. Yes, merci. J'accuse. Superbe. Horreur. Là aussi, il va prendre 12 de stress. On va soigner lui, hein. 4. Nul, putain. Fais mieux. Et en plus, ça saigne derrière. Pas de résistance au saignement. On prend tellement cher de stress ici. 10, donc là ça le soignera, ça le tuera forcément au prochain tour. Parce qu'on va faire comme ça. Donc on peut stacker le poison, hein, j'avais pas précisé. Mais là du coup il prend 6 de dégâts de poison. Donc il faut que je lui mette au moins 3 points de dégâts. On va lui mettre 3 points de dégâts comme ça. Parfait. Ils sont tellement relous les aliénés. Ils font tellement mal à mon stress à chaque fois. Non, non, mais les aliénés ils sont ultra relous, ouais. Je pense que ça doit être les plus casse-couilles sur le stress. Allez, petit one-tap, parfait. Donc lui c'est bon, il meurt, voilà, il meurt du poison. Et il reste le chaman. J'ai pas d'étourdissement, hein. Pas d'étourdissement. On va lui mettre du poison du coup. Ça pue, non, ça va, ça va. Vague de stress, bordel de... 14 et 16. Et lui, il a encore combien? Il a encore 2 tours de... On va soigner lui. 0! Mais on prend le saignement quand même! Évidemment! C'est le problème de ce soin, en fait. C'est qu'il y a le saignement, il peut faire 0. Traction? Oui, il passe devant. Donc le fait qu'il passe devant, ça veut dire qu'il a peut-être des attaques qu'il ne pourra pas utiliser. Oh, chier. Coupure cérémonielle. Et qui rate. Voilà, donc là par exemple, il nous a pas enlevé le truc. C'est une bonne nouvelle. Il nous a pas enlevé de stress. Allez. On le finit. On a looté. Chance de déplacement plus 10%. Vitesse moins 1. Pas très intéressant ça. On est où? Ok. Je vais pas donner de la bouffe encore. Hein. Oh putain! Méga relou! Gros tank. Lui il fait pas mal de dégâts. Lui il baisse le stress. Lui. Rien. Bon, on va commencer par lui là. Mais merde! Mais au moins on résiste au saignement. Bonne soirée Topiké à ta puce. T'as intérêt à carry dans le jeu, hein. Traction de 2. Si je mets une traction de 2 sur lui, est-ce qu'il va quand même pouvoir me baisser mon truc? L'avantage en plus c'est que ça fait reculer ces deux là. Peut-être qu'ils peuvent plus attaquer la même chose. On va mettre du poison sur lui également. Ah si, il peut quand même faire la cotation si ça sent en première position. Et nous sommes à 100 de stress, et voilà. Première personne qui arrive à 100 de stress, donc il est devenu agressif. La folie, sublimation ou intelligence, du moins c'est ce que l'on dit. Alors accablé, lorsqu'un héros ne peut plus supporter le stress, il devient accablé et se voit attribuer une affliction. Ceci se manifeste par des comportements particuliers et des changements de stats. L'affliction dure jusqu'à ce que vous envoyez votre héros en traitement en ville, à moins que vous ne réussissiez à réduire leur stress à 0 durant la quête. Donc il y en a 5 ou 6 différents des afflictions. Et là il était, c'était quoi? Je sais plus. Mais voilà. Non, non, mais on va y arriver, vous en faites pas. Pas de rip. Pas de rip. Voilà, déjà on met cher à lui. Barrière. Alors là, en fait, voilà, il utilise la protection. Donc ça veut dire que lui, il a beaucoup plus de résistance. Ok, un petit recul. Ah, j'avais oublié de changer les poses. C'est un truc que j'oublie souvent. Lui, il a plus de protection, beaucoup de résistance, donc il passe à plus 25 de protection. Et lui, si on attaque lui, c'est lui qui va prendre les dégâts. Bon, la première chose, ça va être de gérer lui. On rebaisse son stress. Alors, son infliction, elle reste tant qu'on n'est pas à la... Putain, il faut vraiment que je le soigne. 9, merci. Combien de saignements? 2 par tour, 3 tours, ok. Poison. 20%, 10%, 10%. PV 25. On va mettre le poison sur lui.
Ah bah oui, du coup, évidemment, c'est lui qui l'a pris. Agressif. Ok, il fait quoi, agressif? Pousser de 3, supprimer les cadavres. Supprime le cadavre quand même? Oui, merci. Ah, agressif. Lui, il taunte lui et ça baisse son... Ah, super. Et du coup, lui, il est passé à 100 et du coup, il a frayeur. N'ayez pas peur de la fin, cela n'importe qu'angoisse. Putain, on en a deux qui sont à 100. Alors à 100, c'est pas grave. Enfin, il y a ces afflictions à la con. C'est quand ils sont à 200 que ça va devenir problématique. Faut le soigner encore. Putain de... Je crois qu'on va devoir fuir, hein. Je crois qu'on va devoir fuir. Harponnage, c'est du dégât 9. Ok. Agonie. L'un de vos héros... Quand un héros tombe à 0, il est en agonie. Dans cet état, ses stats subissent un malus et tous les dégâts supplémentaires risquent de le tuer. Soignez-le pour qu'il ne soit plus en agonie. Donc lui, il est pas mort encore, il est juste à 0 PV. Le problème, c'est que prochain dégât qu'il prend, il a des chances de mourir. Actuellement, coup fatal, il a 67% de résistance. Donc il a on a 33% de chance de mourir la prochaine fois qu'il prend des dégâts, lui. Donc, je peux malheureusement pas le soigner pour le moment, il y a que lui qui peut soigner. Il va peut-être rip, hein. Il va peut-être rip. Voilà, double infection. C'est bon, c'est lui qui prend. Un saignement, un pour trois tours. Ici, on n'a pas de soin non plus. Formidable. On va le pousser. On va pousser lui. Donc lui, ouais. Résiste au poussé. Tataki. C'est bon. Le corps atteint sa limite. Crise cardiaque. Le stress continue à augmenter au-delà d'un point d'accablement. Au-delà du point d'accablement. Donc au-dessus de 100, il continue de monter. Si la barre de stress d'un héros se remplit complètement une deuxième fois, son corps cédera. Apportez-lui de l'aide ou repliez-vous en ville avant que cela n'arrive. Les morts nous attendent tous. La mort nous attend tous. Donc là, voyez que... Oh putain, il a l'agonie parce qu'il est en saignement. Ouais, il faut qu'on se casse. Mais c'est la merde. Alors, je peux essayer de fuir le combat. C'est pas sûr qu'on y arrive. On a réussi. On prend masse de stress. Il est devenu irrationnel. Mais on peut abandonner la quête. On n'aura pas les loots de... Les récompenses de quête. Mais on aura au moins gagné ça. C'est pas grand chose. Donc 700, à peu près 1000-1500. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Échec et mat. 2200. Pas de leg. Superbe. Alors du coup ils prennent masse de dégâts. Masse de stress. Ils sont tous à 100, c'est formidable. Pédiophobie. 20% de stress sur les humains. Non, dégâts de stress. Oui, plus 20% sur les humains. Obsession pour la nourriture, boulimie. Et zoophobie, plus 20% sur les bêtes. Dégâts de stress. Aragon, pas grand chose à dire, écoute, sur en tant que récap. Bon, alors déjà, on va couper YouTube. YouTube, au revoir. Au revoir, YouTube. C'était un peu de la merde, ce combat.